Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle forme. Comme vous pouvez l'entendre, je suis dehors. Donc vous avez le chant des tourterelles et des pigeons qui sont en train de nicher. Nous allons faire un tuto sur smartphone. Alors ça peut fonctionner également sur tablette. Moi, sur la mienne, ça ne fonctionne pas, par exemple. Nous allons voir comment faire apparaître des animaux en réalité augmentée. Alors, c'est un service qui vous est proposé par Google. Donc, il vous suffit d'ouvrir votre navigateur. Alors, moi, je passe par Chrome. Je ne sais pas si avec les autres navigateurs, ça fonctionne vraiment. Quand j'ouvre mon navigateur, il me suffit de rechercher l'animal de mon choix. Donc, je vais commencer avec un animal simple qui est le chat. Vous avez les résultats de recherche qui apparaissent. Lorsque vous descendez, vous voyez que vous avez un carré qui vous propose de vous retrouver en face à face avec cet animal en taille réelle. Et vous avez l'animal qui bouge. Il vous suffit de cliquer sur « Voir en 3D ». Donc vous avez l'animal en trois dimensions qui apparaît. Il vous suffit ensuite de cliquer sur « Vue ». En RA. Il va vous être demandé d'indiquer la zone où faire apparaître votre chat, donc il vous suffit de faire un cercle avec votre téléphone. Et mon chat est apparu. Je peux me rapprocher pour le voir plus en détail. Je peux jouer avec. Je peux le caresser. Et je peux le prendre en photo. Pour cela, il suffit de cliquer sur le rond qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez aller chercher un autre animal. Pour cela, il vous suffit de fermer à la croix en haut à gauche. Par exemple, je vais rechercher un tigre. Je retrouve mon petit encart, voire en 3D. Mon tigre apparaît, vu en RA, je délimite la zone et mon tigre est juste en face de moi. Donc vous avez des boutons. Si je clique sur l'espèce de petit soleil qui est en haut à droite, il y a un fondu qui est désactivé. C'est-à-dire que là, je peux voir mon tigre sous tous les angles. Si je tourne, hop. Je vais me faire manger par le tigre, attention, et je peux le prendre en photo. Sur les trois petits points en haut à droite, c'est là où vous avez des informations concernant la technologie utilisée, etc. Je ferme. Je vais aller chercher maintenant un manchot empereur. Je retrouve donc la vignette avec mon manchot, voire en 3D. Vu en RA, je délimite la zone et j'ai mon petit manchot qui est apparu. Une photo. Et ainsi de suite. Alors, vous avez une liste d'animaux qui est assez développée. Hein. Vous avez le panda, l'ours, le manchot, le poney Shetland, vous avez le carlin, etc., etc. Une fois que vous avez chargé ces images pour les retrouver, il vous suffit d'aller dans votre galerie. Donc moi, la galerie sur mon téléphone est là. Et je retrouve tous mes animaux. Alors, nous en avons terminé pour aujourd'hui. À vous maintenant de créer un véritable zoo dans votre jardin ou dans votre maison. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Amusez-vous bien avec tous ces animaux en réalité virtuelle. La consigne est toujours la même, on reste bien chez soi. Et je vous dis à très bientôt.